showtime! De faire la suite d'un film, il fallait qu'on montre comme les chiots qu'on avait évolué, qu'on avait changé et qu'on avait des nouvelles techniques. Donc on a essayé d'ajouter beaucoup plus d'effets visuels, d'avoir beaucoup plus des jeux de lumière qui étaient, on l'espère, différents et plus intéressants que le premier. So I was not on the first one, but I asked the artists who were on the first one who also work on the second one with me. The main point that they all agree on was that everything was more challenging in a way, but also better done, also more beautiful texture, more details in the modeling. Je pense que ça c'est surtout Cal hein, qui a réussi à amener ça quoi. C'est quand on compare entre la série et les films, le step up en termes de qualité est quand même assez incroyable, moi je trouve. Je suis pas la cible de cette série et pour autant franchement la qualité du film à la sortie c'est vraiment chouette quoi. Je pense qu'ils ont réussi à faire un savant mélange de visuel scénario où quand on regarde le film on peut pas s'empêcher de penser un peu aux Avengers, Marvel et tout avec leurs super pouvoirs et tout, ça explose dans tous les sens, c'est joli à voir, c'est rythmé. Un nouveau genre de héros. Les super pouvoirs existent. Crève le grand écran. Il faut qu'on se trouve un autre nom. Visuellement, ça rattrape toutes les productions de les grosses prods quoi. Donc même si le sujet peut paraître un peu une petite série pour enfants, bah, en fait on a réussi à quasiment faire un blockbuster quoi. Ça je trouve c'est cool. I think that's the core message of the Paw Patrol, the Mighty Movie, is that you're not alone. You have your friends, or you're gonna find friends that can help you whatever you face in your life. La super patrouille. On a beaucoup travaillé dessus et pour beaucoup en fait c'était leur premier film d'animation et nous on a rêvé avec des films d'animation, alors cette fois-ci on a envie que ce soit vous qui rêvez avec ce film.